Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, il s'agit de la partie 2 du 30 Day Song Challenge. Vu que j'avais pas fait d'intro ni d'outro x2, puisque j'avais pas une vidéo en deux parties, du coup, j'en refais une là. Donc, enjoy the rest, quoi. Le retour après la petite pause pipi. Putain, je perds mes cheveux comme jamais, genre. Bref, ensuite, la prochaine musique. Donc, la musique est donc un classique préféré. Là, du coup, j'ai eu une illumination directe. Je savais laquelle mettre. C'est donc Température de Sean Paul. Voilà. Vieille go dans le clip. La gueule. En soirée, là. Ça twerk. Non, je déconne pas. Mais bref, une musique que je pourrais chanter en karaoké avec quelqu'un. Donc voilà, j'avais une musique en particulier en tête. Du bon français, entre guillemets. Comportement bah ouais, j'ai dit comportement bah ouais. Je suis dans mon comportement bah ouais, j'ai dit comportement bah ouais. Les mecs ont bombé la torse ah ouais, j'ai dit comportement bah ouais. Les poches remplies d'oseille ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais, collé. La musique suivante, donc. Une musique de l'année où je suis né. Donc, alors là, si vous voulez, j'étais très très déçu. Quand même, on va pas se le cacher. Parce que vous savez, à un moment donné, il y avait un truc qui tournait, c'était genre la musique de. Genre qui était numéro 1 des charts quand vous êtes né. Moi, c'était une musique de merde. Du coup, je n'ai pas choisi celle-là déjà, parce que franchement, elle était éclatée. En plus, nul à chier. C'est genre. Vu que je suis né le 1er août. Forcément, chaque année, c'est genre des musiques de l'été que tout le monde entend tout le temps. Mais celle-là, non. Trop bien. Parce que genre, par exemple, en août 2003, c'était Chihuahua, je crois, ou des choses comme ça. Genre, c'est des musiques pas ouf. Mais genre, tu t'en rappelles, là, c'était je sais pas quoi, je sais même pas mémoriser ce que c'était. Du coup, j'ai dû en choisir une autre de 2000. Je l'écoute pas spécialement, mais je l'aime bien. Je vais pas faire genre je connais les paroles non plus, faut pas déconner. Etc. Donc voilà pour cette musique du coup de mon année de naissance. Une musique qui me fait penser à la vie. Alors, celle-là, je savais pas du tout quoi mettre. Du coup, j'en ai mis une en vrai, bon, je pense pas spécialement à la vie, hein, on va pas se voiler la face. Il s'agit de Tourner la page d'Ozao, voilà, que j'aime beaucoup. C'est une artiste que j'aime beaucoup pour le coup. Il y en a plein qui aiment pas, il y en a genre de ouf. Ou alors à la limite, c'est genre ils aiment juste ses chelous, qui est vraiment très bien, qui est très fun, on va pas se le cacher. Sortie de ma cage, montée d'un étage, aujourd'hui je plane dans les nuages. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter, c'est pas si facile de tourner la page. Quand le présent m'échappe, et que le passé me traque. Une musique qui a beaucoup de signification pour toi. Je ne savais pas du tout quoi mettre. Alors, on le retourne avec du Katy Perry. Donc, il s'agit de Rise de Katy Perry, qui est vraiment une très belle musique. Et genre, j'aime beaucoup de base. Et du coup, c'est la vue que j'avais fait le clip, je connais les paroles. Victory is in my veins. I know it, and I will not negotiate. I'll fight it, I will transform. When the fire's at my feet again, and the vultures are stuck. D'être là, genre, rise, quoi, le principe. Donc, 21, donc, ah oui, alors, une musique que vous aimez avec le prénom d'une personne dans le titre. Donc, là, dans ma grande culture musicale,
je me suis dit où est-ce que je vais trouver une musique avec le prénom de quelqu'un que j'aime bien. Et j'ai eu une illumination, un petit rappel d'une musique que j'aime beaucoup. Il s'agit donc d'une musique de Dolly Parton, Jolene, du coup, voilà, qui est vraiment une musique très très bien. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Ensuite, c'est une musique qui me fait avancer. D'accord. Alors là, je savais pas non plus quoi mettre, donc du coup, j'en ai mis une, voilà, qui me fait avancer. J'aurais pu mettre Rise de Katy Perry, mais du coup, je préférais la mettre avant, puisqu'elle avait du sens pour moi. Voilà. Unknown Brain avec donc Chris Linton, Superhero. On attend le refrain quand même. Que je pense que tout le monde devrait écouter. Et là, du coup, c'était très dur le choix, puisque je me suis dit, il faut une musique que personne n'écoute, donc enfin, qui n'est pas très connue, mais qu'il faut absolument que tout le monde écoute. Du coup, j'en ai choisi une très récente, d'une artiste que j'adore. Il s'agit donc de Kings and Queens, de Ava Max, qui est une musique qu'il faut que vous écoutiez, vraiment, parce que genre, elle est trop bien. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you get my nana. Think it's funny, but honey, can't run this show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how. Ce clip-là, je l'aime pas trop trop, je suis un peu mais Torn, Torn, ce clip, il est sensationnel. Hein. Allez écouter Torn aussi, allez écouter toutes les musiques d'Ava Max. pour la plupart, elles sont vraiment toutes trop cool. Une musique d'un groupe que vous aimeriez qu'ils soient toujours ensemble. Il s'agit donc des Black Eyed Peas. Alors vous allez me dire, ils se sont formés machin machin. Oui, vous allez me dire, mais il n'y a pas Fergie, exactement. Donc c'est pour ça que j'ai considéré qu'ils n'étaient pas reformés, puisqu'il n'y a pas Fergie et que la musique que j'ai choisie, il y a Fergie dedans. Donc voilà, il s'agit donc de Meet Me Halfway. Halfway. I spend my time just thinking, thinking, thinking about you. Donc ensuite, la prochaine musique, donc la 25e, on se rapproche de la fin. Une musique d'un artiste qui n'est plus vivant. Voilà, donc là j'en ai choisi une. Mais je ne sais pas si c'est ça que j'aurais dû choisir, puisque c'est une musique qui est sortie dans son album également post-mortem, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit. Du même artiste d'ailleurs, donc de Avicii, voilà. Avec Aloe Black qui chante. A pound of weed and a bag of blue. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. C'est censé te donner envie de d'être amoureux, hein, de tomber amoureux. Bah non, j'en avais pas spécialement non plus. Et donc là, il s'agit donc de Boyfriend. You know it's on me, even though a man ain't something I need.
I'm the boyfriend, so put it on me. I'm looking for a man who could take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a... Une musique qui brise mon cœur. Je savais pas quoi mettre non plus, parce que j'ai jamais eu le cœur brisé, TMTC. Toujours de l'album Expectation de Bébé Rexha. Ma deuxième, mes deux préférés, donc Grace, que j'ai réussi à placer du coup tout à l'heure. Et là, du coup, ce sera. No more, barely even talk no more. You wanna hold my hand and then you won't. You say you love me, then you don't. You keep me running and running around. If I'm not all you need, then just send me free. Dont j'aime beaucoup la voix. Bah écoutez, je ne savais pas qui choisir, parce que j'aurais pu choisir des artistes beaucoup plus connus, mais je me suis dit, je vais prendre quelqu'un d'autre, d'un peu moins connu, dont j'aime beaucoup la voix. Donc j'aurais pu choisir Bébé Rexha, puisque sa voix, je suis totalement fan. J'aurais pu choisir Katy Perry, puisque sa voix, je suis totalement fan, mais vu que j'ai déjà mis des chansons de Katy Perry et Bébé Rexha, je me suis dit, on va varier un peu les plaisirs, de Madison Beer, Beer, bien français. Donc c'est Dear Society. Evil voices in my head. I woke up in a strange bed. I lost my phone in Amsterdam. It's 5 a.m. I'm a natural disaster, but even after all that I do, it's you who's gonna be the death of me. And none of this matters, baby. It's you, it's you. Bad for my health, I should probably get some help. I can't control myself, I'm addicted to the hell. My heart is getting sick from the tar that's on your lips. Yeah, you're bad for my health, you should hurt somebody else. Madison Beer, artiste à découvrir si vous la connaissez pas. Stained Glass, là, qu'elle a sorti il y a une semaine, est très très bien aussi. Donc, une musique qui me rappelle mon enfance. Donc, là, du coup, il a fallu que j'en choisisse une. Mais je vais changer, je vais prendre plutôt une autre. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life. Back, back to life. Hands up. Yeah, suddenly we all got our hands up. Eyes, eyes, eyes. Et sachez que si vous voulez savoir pourquoi j'avais mis ta grand-mère, toi, tu te tais ou pas? Est-ce que tu te tais? Mais c'est une blague, il se met pas en pause. Du coup, ferme ta bouche. J'aime beaucoup ta musique, mais là, elle me dérange. Je ne peux pas parler. Cette musique-là, oui, j'étais très content de la trouver au moment où je l'ai découvert, du coup, enfin, où elle est sortie, quoi, donc en 2010. C'est parce que, en fait, le nom était très à la con pour un enfant de 10 ans, donc DJ Got Us Falling in Love. Et donc, enfin, la dernière musique, donc, ça, c'était une petite blague. La dernière musique, c'est une petite blague. Quelque chose de vraiment un très très grand comique qui est ma personne. C'est donc une chanson qui te rappelle toi, hein, voilà, qui est censée te rappeler toi. Et du coup, ça s'appelle Queen de Lauren Gray. Because I got a crown. Don't you know I'm dangerous? Fire burning in my bed. I got this handled. I don't need rescue. Plus sérieusement, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la deuxième vidéo que je fais facecam. Je pense que j'ai l'air un petit peu plus détendu que dans la première, mais dans la première, c'est que j'ai enregistré dans mon appart. Alors du coup, il y a quand même mes proprios qui sont juste à côté. J'en postillonne. Attention à ne pas toucher quelqu'un parce que coronavirus. D'avoir tourné cette vidéo, ça me fait grave plaisir. J'étais grave content, donc je pense que ça s'est vu. mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu également. Donc sur ce, moi je vous dis bisous, à la prochaine. Ciao, ciao.